Bonjour, je m'appelle Péris Marine et je suis élève en bac pro gestion administration. Je dois effectuer des périodes de stage durant mon année scolaire et actuellement je fais un stage au terme d'un BPL. Alors, je suis actuellement au service de réservation. On m'a confié plusieurs missions. J'étais en charge de gérer le questionnaire de satisfaction de chaque curiste avec la date et regarder si les curistes ont bien rempli toutes les cases. Alors, en entreprise, on peut également être mené à utiliser le téléphone de l'entreprise. Par contre, il faut bien sûr faire attention à la voix, à la prononciation, à l'intonation, au rythme, au vocabulaire. Bien sûr, si on a des curistes au téléphone, être à l'écoute, avoir de l'empathie parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que l'on dit. Et bien sûr, faire attention à notre clarté. Alors, il faut également penser à préparer l'appel, car on ne peut pas appeler des curistes comme ça sans se préparer. Je sais pas, on peut par exemple, moi j'ai appelé le curiste, on peut par exemple dire bonjour, terme d'amélioré belle, je vous appelle afin de mettre à jour votre dossier thermal et hop. Alors, je m'occupe également du courrier sortant, c'est-à-dire qu'on va affranchir les lettres. Dans cette entreprise, on fait bien sûr attention aux lettres qui sont dans les départements, par exemple. On fait bien sûr attention aux chiffres 11, 30 qui sont écrits pour les départements. On choisit lettre prioritaire ou lettre verte. On la pèse, on la pose, on la pose sur le bouton vert. Et ensuite, on va tout simplement la faire passer dans la machine. Alors, j'utilise également le logiciel de l'entreprise de la chaîne thermale qui s'appelle JET, qui se traduit par gestion des établissements thermaux. Il peut servir à rechercher les numéros, les mails, toute autre information sur les curistes. Et il a été créé par les informaticiens de la chaîne thermale. Alors, j'utilise aussi le logiciel Excel qui est utilisé dans le lycée. C'est pour cela qu'il faut bien écouter un cours pour comprendre le logiciel parce qu'en entreprise, on l'utilise également. Ben, c'est pour cela que j'ai choisi la filière gestion administration car on y apprend plein de choses. Et par la suite, je pense poursuivre dans un autre test. Alors, j'utilise également le logiciel Excel qui est utilisé en gestion administration. Alors, ces apprentissages sont importants car ils nous permettent d'être autonomes, car en entreprise, on ne peut pas forcément tout le temps poser des questions. Sinon, ça fait un petit peu comme si on n'apprenait pas en cours et il faut justement savoir utiliser pour être autonome. Alors, pourquoi j'ai choisi la gestion administration? Car c'est très intéressant, on utilise plein de logiciels. Le stage nous donne aussi des opportunités, on peut demander de travailler, certains nous proposent des CV ou des CDI. Et par la suite, une fois qu'on a notre bac, on peut poursuivre dans un BTS.